Arrête-toi là! Arrête-toi! Après avoir tué toutes tes Penses-tu que ôter la vie fait de toi une femme libre? Le crime et le châtiment sont tous deux liés par le destin. Tu dois venir. Il n'y a pas d'échappatoire, Ada. C'est une vie pour une vie. Le pouvoir de la vie et de la mort nous a été confié. C'est un choix et une décision qui ont été donnés aux êtres humains par l'Esprit Suprême. Et lorsqu'un tel droit est transgressé, ce droit se voit retiré chez le transgresseur. Ada, tu as violé ton droit de vivre. Et à cause de cela, je te renvoie chez le Créateur, le détenteur de la vie. Ada? Ada? Où est cette fille? Ebere! Ebere! Oui, papa. Où étiez-vous donc passé? Papa, j'étais derrière. Où est Ada? Je pense qu'elle est sortie. Oh, tu penses qu'elle est sortie? Mm-hmm. Il n'y a pas de bois de chauffage dans cette maison. Et vous êtes censé le savoir. De toute façon, cela signifie que tu iras ramasser du bois de chauffage toute seule, vu qu'elle n'est pas là. Je ne peux pas aller dans cette brousse toute seule. Je vais attendre qu'elle soit de retour. Si je me défoule sur toi cet après-midi, alors tu vas y aller toute seule. Parce qu'à son retour, elle ira chercher autre chose pour faire la soupe. M'as-tu entendu? Ah, tout le temps, c'est béré. Je suis la seule à travailler dans cette maison. Ah! Attends, qu'as-tu dit? Ebere!
pense que c'est un scorpion. Un scorpion? Un scorpion! Désolé. Ça va aller. Désolé. Ça va aller. Avant que quelqu'un ne t'entende et ne se demande avec qui tu parles. Je suis l'esprit qui te guide. Je suis là pour te guider dans ce que tu fais. À présent, prends cette feuille. Prends celle-ci. Écrase-les et applique-les sur les blessures. Ok, d'accord. Désolé, ça va aller, ça va. Désolé, ça va aller. Ça va aller. Désolé, ça va aller. Allez, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon, désolé. Ada, ce que tu viens de me rappeler. Elle est tout ce qu'un homme voudrait qu'on épouse. Mais je t'assure qu'elle est difficile à conquérir. Que veux-tu dire par difficile à conquérir? Écoute, Olissa, je l'ai abordée auparavant, mais elle est... Tu sais, je te comprends. Tu n'as pas à t'expliquer, ok? Ce que cette fille est, je veux dire, cette fille est la plus belle fille de ce clan. En même temps, elle est la fille la plus arrogante. Ce dont elle a besoin, c'est de quelqu'un qui lui dira la vérité. Quelqu'un qui va réussir à la dompter et à la faire obéir. Écoute, Olissa, cette fille ne pourra jamais être domptée par un homme. Ça n'arrivera jamais. Ne te tracasse pas. Je sais comment m'y prendre avec ce genre de fille. Ce n'est rien. Ne t'en fais pas pour ça. Je te dis la vérité. Hein? Ne t'en fais pas. Bonne chance. Bonne chance à toi. Je vais devoir l'attendre. Quand elle va passer, tu verras, je vais tenter ma chance. Noé? Qui est là? Qui est-ce? Hey! Noé, bon après-midi. Noé, Béret. Hugo, que lui est-il arrivé? Noé, elle a été piquée par un scorpion. Un scorpion? Oui, Noé. J'ai dû appliquer certaines herbes médicinales sur la blessure. Je pense qu'elle ira bien quand elle aura récupéré des forces. Oui, Noé, elle ira bien. Héberet, dis quelque chose. Héberet, réponds-moi. Hey! Qu'ai-je donc fait? Noé, elle ira bien. Je n'aurais pas dû l'envoyer ramasser du bois de chauffage au... Héberet! Noé, elle ira bien. Elle ira bien. Oui. Hein? Oui. Tu sais, Ada, tu es la plus belle jeune fille sur laquelle il m'a été donné de poser les yeux. Tu es si respectueuse. Et c'est pour cela que je veux que tu m'acceptes. Crois-moi, ensemble, nous allons bâtir une grande famille. Et nous allons nous aimer, Ada. Adamo! Ah! Que les dieux te punissent, toi, et cette bouche que tu as utilisée pour parler.
donc, tu me vois, Ada, la plus belle jeune fille de ce clan, comme tu l'as mentionné. Et toi, ce stupide Olissa, tu veux que moi, je sois ta femme? Ada, 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 il faut qu'il fait. Mais... Tu es malade. Tu m'as entendu? J'ai dit que tu es malade. Ta génération est malade. Le fait que tu me vois, moi, comme ta femme, au lieu des autres filles du clan, montre à quel point tu es bête. Olissa, ne me provoque pas. Ne provoque pas, Ada. Que ce soit la dernière fois que tu m'interpelles en route pour cracher ces absurdités. La prochaine fois, tu vas le refaire. Je vais m'arrêter à ce niveau. Mais, Ada, Ada, je t'aime, je... Il faut parler à ton ami. Ne pars pas de chercher une femme. C'est Ada que tu veux. Ada, Ada, Ada. Olissa. T'as vu comment cette fille vient de t'insulter? Écoute, si elle essaye ça avec moi, si elle essaye ça avec moi, je vais en finir avec elle. Cette fille manque de main. Avance, on y va. Je l'ai dit. Je suis prévenu. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Pour qui? Devant moi. Ah, calme-toi, c'est passé. Laisse cette fille tranquille. Avant qu'il ne soit trop tard. Oui, nous le pouvons. Mais souviens-toi, nous agirons selon les instructions. Son âme sera condamnée si elle continue ainsi. On lui a donné le choix. Éberé. Ada, où étais-tu passée? Hein? Où? Père, ce n'est pas important. Qu'est-il arrivé à ma sœur? Écoute, on l'a ramenée de la brousse, d'où je l'avais envoyée ramasser du bois de chauffage. On dit qu'elle a été piquée par un scorpion. Regarde! Scorpion? Chimou? Oui. Éberé! Éberé! Père, elle ne répond pas. A-t-elle pris des médicaments? Des herbes médicinales ont-elles été appliquées sur la blessure? Hugo, le fils de Ago. Le guérisseur. Hey. C'est d'ailleurs lui qui l'a ramené. Et il a mis quelque chose dessus. Hugo. Oui. Qu'est-ce qu'il connaît? Père, comment pouvons-nous être sûrs qu'il connaît ce qu'il a appliqué? Ada. Père. Le père de ce jeune homme était un très grand guérisseur dans cette communauté. Et alors? Pourquoi ne guérit-il pas comme son père? Hey, va lui demander, pas moi. Va lui demander. S'il te plaît, va à l'intérieur et fais-nous quelque chose à manger. À son réveil, il faudrait qu'elle mange quelque chose. Ok, mais il n'y a pas de bois de chauffage. Avec quoi est-ce que je vais préparer la nourriture? Éberé. Hugo. 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 Mes salutations. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Et comment se porte Éberé? Son état ne s'améliore pas. Mon père dit que tu dois venir avec quelques médicaments. S'il te plaît, elle souffre. S'il te plaît. Ada, vas-y. Je vais venir voir ce que je peux faire. Tu reviens? Oui. Tu es sûr? Bien sûr. S'il te plaît, ne mets pas l'ongo. Dieu de nos terres. Tout le monde pense que j'ai hérité du don de mon père. Qu'est-ce que je vais donner à Éberé pour la guérir? C'est vraiment stupide de demander à Dieu ce qui est en ton pouvoir.
Qui es-tu? Encore cette même question. Je suis un esprit gardien. Est-ce un autre? Le même esprit. Tu vas la guérir. Elle est ton épreuve. Mais je ne sais pas quoi faire. Fouille dans ton cœur. Tu sauras quoi faire. Nous avons le pouvoir de la guérir. Pourquoi ne donnes-tu pas les instructions? Quelqu'un a reçu le don pour la guérir. Et si elle mourait avant qu'il n'arrive? Alors il sera jugé. Aucune d'entre vous ne devrait interférer dans les plans du trait. Où est Ada? Ada? Père. Où est-il? Je suis allée l'appeler. Mais où est-il? Il arrive. Il arrive? Oui, il arrive. Ah, elle est dans le même état. Oh, il est déjà là. Noé? Oui, mon garçon. Comment va-t-elle? Ah, aucun changement. S'il te plaît, je ne sais pas. S'il y a quelque chose que tu peux faire pour nous. Mon Dieu. Hé. Hé. Éberré. Éberré. Ah, papa. Hein? Je me sens bien maintenant. La remède en marche. Es-tu sérieuse? Oui. Tu veux dire que tu ne ressens plus aucune douleur? Non, je ne ressens aucune douleur. Je vais bien. Oh, remercions les dieux. Remercions les dieux. Viens par là. Merci mon fils, merci beaucoup. Je ne te remercierai jamais assez. Papa, il est charmant. Merci. Nain, remercions les dieux. Merci mon fils. Nain, à bientôt. Je t'en prie. Tant que tu peux remarcher. Même après t'avoir prévenu de ne pas interférer dans les plans du très haut, tu es quand même allé la guérir? Je suis désolée, Wada. J'avais pitié d'elle. Nous avions le pouvoir de la guérir et nous la regardions souffrir. Ça, c'est la décision du très haut et non la tienne. Nous ne sommes que des simples espions. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Ce que ce simple acte de désobéissance va causer à cette famille. Ce sera imprévisible. Je suis désolée, déesse Wada. Tu es désolée? Tu viens juste d'altérer un destin. Tu es aussi stupide que ton ami Olissa. Vous ne savez rien faire du tout, à part poursuivre les jeunes filles partout dans le clan. Regarde-toi. Foutaise. Si tu oses encore m'interpeller, je vais te montrer. Foutaise. Regarde-toi. C'est toi l'idiote ici, toi que je veux rendre service, toi que je veux faire du bien. T'es même pas conscient que ton temps est en train de passer. N'importe quoi, regarde. Ada et toi allez vieillir dans la maison de vos parents. Et où personne n'épousera une fille mal élevée comme toi. Vieille chose, espèce de mouton. Hey, tu ressembles à rien. Hey, moi, épousée, toi, donc on les empare, toi aussi tu parles. Tu es un homme, regarde-toi. Impuissant. Peux-tu enceinter une femme? Regarde-toi, tu te considères comme un homme? Tu es même un homme? Tu veux me rendre un service? Regardez-moi qui parle. Tu as besoin d'aide. Vraiment besoin d'aide. N'importe quoi. T'inquiète pas. Quitte-la. Ferme-moi cette bouche. Ferme ta bouche. Tu es un idiot. Je dis bien un idiot.
Tu es malade. Tu es malade. Regarde-toi, tu te considères comme un homme. Tu te considères comme un homme. Laisse-moi. Laisse-moi. Ah ah violeur. Tu veux me violer? Idiot. Idiot. Mouton. Tu es chanceux. Reviens que je puisse te taper. Ce stupide ami d'Olisa. Il a voulu que nous soyons des amis et j'ai refusé. Puis il m'a attaqué. Il a quoi? Il a fait quoi? Il a demandé que vous soyez amis. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a même dit qu'il voulait m'épouser. Hein? T'épouser? Il a dit qu'il voulait m'épouser. Et après, il t'a attaqué. Juste un coup d'œil sur mon corps. C'est bon. Viens, on va le voir. Viens, on va le voir. Hey! Hey! Il a fait Anna, quoi? Mais tu le crois? Hey! Nous avons donné une bonne leçon. Allons-y. Hey! Hey! Allons-y. Si seulement tu m'avais vu, mon frère. Olisa, je l'ai battu. Ouais, je l'ai battu, Olisa. Je l'ai battu, mon frère. Mais t'as raté des choses. T'assures. Attendez. Où allez-vous? Vous allez, revenez. Où allez-vous? Attendez-nous. Attendez-nous. Attends. Non, mais regarde-toi. Si j'attrape cette fille, hein. Si j'attrape cette Ada. Regarde ta tête. Voilà son père, Nainokoli. Oui, c'est lui. Nainokoli, je vais tuer votre fille aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais la tuer. Regardez ce qu'Adam a fait. Regardez. Mais comment cela est-il arrivé? Elle et son ami Idi nous ont attaqués. Elles ont blessé Olisa avec une pierre. Regardez. Écoutez, donnez-moi juste la permission de la tuer. Je vais vraiment la tuer. Je vais simplement la briser. Vas-tu fermer ton clapet? N'osez surtout pas toucher ma fille. N'avez-vous donc pas honte de dire qu'une fille vous a battu tous les deux et vous venez me demander la permission pour la tuer? Donc, c'est tout ce que vous trouviez à dire? Ok. Attendez. Attendez. Vous allez enterrer votre fille. Si vous la touchez... Vous allez voir. Si vous la touchez... Idiot. Oma, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Tu es restée assise là toute la journée, pensant à je ne sais quoi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, rien du tout. Rien? Bien. Alors, s'il y a rien, viens, viens m'aider à la cuisine. Maman. Je sais que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est comme si Ebere, la fille de Koli, est en train de tomber amoureuse de mon meilleur ami Hugo. Oh! Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre? Ah, mais c'est bien! L'amour est une très bonne chose. S'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, alors ils doivent chercher à se marier. Mais maman, Hugo est mon meilleur ami. Oui, mon enfant, je sais. Vous avez été amis depuis votre enfance, n'est-ce pas? Bien. Oh, y a-t-il quelque chose d'autre? Non, maman, rien du tout. Rien? Alors, sois heureuse pour eux. Laisse-les se marier, il est juste ton ami. Viens m'aider à la cuisine. Viens, viens. J'ai gagné. Tu n'as pas gagné, recommençons. Oma, bienvenue. Oma, merci. Comment vas-tu? Je vais bien, Hugo. Nous sommes en train de jouer, viens nous rejoindre. Je n'ai pas envie de jouer. Hugo, je peux te voir? Ok. Je t'attends. Lâche maman. Hugo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et cette fille Ebere? Je ne comprends pas. Ebere, nous sommes juste des amis. Je veux dire, elle est heureuse que je l'ai sauvée de la piqûre de ce scorpion. Bien! Je suis si heureuse pour elle. Elle va bien maintenant.
qu'elle te laisse tranquille. À moins qu'elle ne veuille une autre piqûre de scorpion. Oui. De quoi est-ce que tu parles? Omar, pourquoi est-ce que tu es si dure? Quel est ton problème? Pourquoi es-tu si excessive? En quoi est-ce que je suis excessive, Hugo? En quoi est-ce que je suis excessive? Je dis juste que Bello va bien maintenant. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune raison que vous soyez amis. Je suis ta seule amie, Hugo. Hugo, ta seule amie, ta meilleure amie. Rappelle-toi de cela. Je ne veux aucune autre personne proche de toi. Qu'est-ce qui est si difficile? Hugo! Comment croire le fait que Bello soit mon ami est un problème pour toi? C'est un gros problème. Un très gros problème, Hugo. Mais nous sommes des amis. Pour moi, tu es mon seul meilleur ami, Hugo. Vas-y, je ne veux plus te voir avec cette fille. Je ne veux plus te voir avec cette fille, Hugo. Je ne veux plus voir cette fille. Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Oma est-elle partie de la sorte? Rien, c'est personnel. Ok. Hugo, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Ok. Qu'est-ce que c'est? Hugo, je suis amoureuse de toi. Et j'aimerais que tu m'acceptes comme ta copine. Qu'est-il arrivé? Pourquoi pleures-tu? Hein? C'est Chike et Olisa. Chike et Olisa ont fait quoi? Qu'ont-ils fait? Ils m'ont battu. Ils ont fait quoi? Ils ont dit que je vais payer pour tes péchés. Quoi? Ces deux-là t'ont battu? Hey! Ada! Ada! Hey! Viens, viens. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne sais pas ce que je devrais faire. Ah! Et où est-ce qu'elle court comme ça? Je pense qu'on devrait aussi rendre visite à ce vieillard. Non, Olisa. Laissons ce vieillard en dehors de tout ça pour le moment. Alors, n'oublie pas que nous l'avons insulté l'autre jour. Il a dû se plaindre au Chiada. Ne l'oublie pas. Ne vous enfuyez pas. Attendez-nous. Attendez-nous. Non, ne fuyez pas. Attendez-nous. Attendez. Hey. Attends-moi, ils arrivent. Écoute, arrête-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, t'es bien prévenu. Ne t'en fais pas. Ne fais rien de stupide, Olisa. Olisa! Maintenant, venez. N'aie pas peur. Olisa, oui, venez. N'aie pas peur. Attends. Olisa, venez. J'ai pas envie de participer à ça. Hey. Avance, hey. Hein. Hey. Tu es un homme. Garçon. Attends. Tiens-moi un impuissant comme toi. Comment ça, un impuissant? Tu veux m'épouser? Je vais épouser ton mégal? Tu veux te tuer? Espèce de fou! Ada?
Tu allais bagarrer avec eux? Oui, je l'ai fait. Idioma s'est joint à moi pour les battre. Ils ne vont plus jamais causer de problèmes. Encore moins déranger une jeune fille dans ce clan. Oh, Ada, j'espère que tu n'as rien fait de stupide. J'ai fait plus que ça. Mais ne t'inquiète pas. Ils vont vivre. Ada, tu es aujourd'hui. Ah! Hugo. Hugo, je t'aime. Je t'aime tellement, Hugo. Écoute, je ne peux pas supporter de te voir avec Eberry ou n'importe quelle autre femme, Hugo, s'il te plaît. Hugo, s'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît. Écoute, je vais être la mère de tes enfants. Hugo, je te jure que je vais te respecter. Tout ce que tu voudras que je fasse, je vais le faire. Omar, stop! S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, pourquoi est-ce que tu fais ça? Hugo, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ne vois-tu pas que je t'aime? Hugo, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux que nous soyons plus que de simples amis. Je ne veux pas être ta meilleure amie. Je veux être la seule femme dans ta vie. C'est trop tard, Omar. Je veux dire, nous pouvons être des amis. Mais nous ne pouvons pas entretenir une relation. Je suis désolé. J'ai donné mon cœur à Eberry. Je suis désolé. Si tu as donné ton cœur à Eberry, qu'est-ce que je deviens, moi? Omar, qu'est-ce qu'il y a? Petite vermine, je te préviens. Reste loin d'Hugo. Reste très loin d'Hugo. C'est le dernier avertissement. C'est si difficile à comprendre. Hugo est mon meilleur ami. Et maintenant, je suis amoureuse d'Hugo. Tu as été piquée par un scorpion. Tu as montré ta gratitude. Hugo l'a accepté. Et moi également, je l'ai accepté. Maintenant, garde tes distances. Omar, c'est quoi ton problème? Hugo et toi, vous êtes meilleurs amis. Je le sais. Mais je sais que tu n'es pas amoureuse de lui. Je sais quel est ton problème. Tu es simplement jalouse. Excellent! Excellent! C'est très bien. Tu n'es pas complètement stupide. Oui, tu as un peu de cervelle dans cette toute petite tête. Vu que tu connais que mon problème, c'est la jalousie, aide-moi. Aide-moi en restant loin d'Hugo. Je te préviens. À moins que tu ne veuilles qu'un autre scorpion te pique ce stupide pied. Je te préviens. Je te préviens. Population, soyez mes témoins. Hey! Grande sœur Ada. Ah, la façon dont tu souris là. Comment tu vas? Je vais bien. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Ah, je savais. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Ok. Il s'agit de moi et de Hugo, le jeune homme qui m'a sauvé de la piqûre du scorpion. Que s'est-il passé? Parlez-moi, Eberry. Nous sommes plus ou moins dans une relation. Eberry, regarde-toi. Donc, après t'avoir guéri, vous êtes maintenant... Ok, je t'écoute. Pourquoi es-tu timide? Allez, parle-moi, je ne suis pas Hugo. Mes grandes sœurs, il y a un problème. J'ai constaté que son ami d'enfance, Oma, est une distraction. Elle est tout le temps avec lui. Et je ne sais pas comment lui dire d'arrêter de la voir. Ce n'est pas un problème. Empêche-la de le voir. Vu qu'elle, je veux dire, a tout son attention. Grande sœur, comment vais-je faire cela? Comment est-ce que tu vas faire ça?
je vais m'en charger. Merci. Je t'en prie, qu'est-ce que je ne ferai pas pour ma petite sœur. Merci. Mais va prendre le balai et viens balayer cette cour. Ah. J'étais sur le point de le faire. Viens balayer. Parce que j'ai demandé un service. Béret, béret. Et ah. Ok. Oma. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous criez Oma, Oma, Oma? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Place-toi là. Que je me place là? Tu n'es pas normal. Ça dit place-toi là. Me placer où? Me placer? Incroyable. Tu es venu chez moi pour m'ordonner de me placer là? Tu n'es pas normal. Oma, je suis venue t'avertir de rester très loin de ma sœur éperée. Et toi, va dire à ta vulgaire sorcière de sœur de rester très loin de mon meilleur ami, Hugo. Oma, un instant, es-tu en train de vouloir nous défier? Qu'est-ce qui parle? Qui est cette chose? Qui? C'est à une moi. Une sale chienne qui ne sait pas quoi aboyer. Écoutez, je n'ai pas peur de vous deux. N'importe quoi. C'est à moi que tu parles. Allez, baisse-moi cette main. Baisse-moi cette main. Idioma. Du calme. Du calme, mon ami. Laisse-la tranquille. Nous lui avons donné son dernier avertissement. Si elle est sage, elle va écouter. Mais si elle persiste, alors que les dieux nous en soient témoins. Si tu as fini d'aboyer, prends tes pieds et mets-toi hors de ma possession. Partez! On y va. Sale chienne! Oh, va-t'en, moi, ça! Va-t'en! Va-t'en! Avant que je ne laisse pas. Soyez mes témoins. Regarde-la. Vous avez le courage de venir me mettre en garde. Reviens! Idiote! Idiote! Pour mon meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi des coups de dos. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu penses aller? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Misérable ver de terre. Donc tu veux que je reste loin d'Hugo? Tu es malade. Tu es vraiment très malade. Tu sais quoi? Je ne le ferai pas. Et de toute façon, je suis amoureuse d'Hugo. Alors je suis celle qui devrait te dire, reste loin de mon Hugo. Donc j'avais raison. Mon instinct ne me trompe jamais. Ah! Donc j'avais raison. Mon instinct ne me trompe jamais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne vous comprends pas. Depuis l'enfance, Hugo a toujours été mon meilleur ami. Et vous tous, vous le savez. Je te préviens. Et ceci est mon dernier avertissement. Reste très loin de vous. Sinon, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Tu ne vas pas aimer. Je ne le laisserai pas tranquille. Et je te promets qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne l'auras pas. Je ne l'aurai pas. Non, tu ne l'auras pas. D'accord. On verra bien. Eh bien, on verra cela. N'importe quoi. Héberé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai croisé Oma à mon retour de la maison. Je pense qu'elle est vraiment amoureuse d'Hugo. Et elle risque de me le prendre. Oma? Cette jeune fille a eu les yeux plus gros que son ventre. Hein? Ne t'inquiète pas, rentre à la maison. Nous allons nous occuper d'elle. Rentre. Rentre. Calme-toi, hein, okay. Petite sœur. Calme-toi. Ada. Oma. Oma. Ne parle pas trop. Allons lui rendre visite. Allons-y. Oma. Quelle surprise. En fait, une surprise.
Hugo, je sais que tu es ma sœur. Mais je ne vais pas t'épargner si tu lui fais du mal. Alors, je suis venue te dire de rester loin d'Omar. Laisse Omar pour que tu puisses avoir du temps pour ma sœur. Ada, tu t'écoutes parler? Comment oses-tu me demander de rester loin de ma meilleure amie? Écoute-moi très bien, Ada. Tu n'as aucun droit de me dire quoi faire. J'aime ta sœur Ibéré parce qu'elle a un bon cœur. Mais toi, tu es une vipère. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Et je suis très sûr qu'Ibéré ne t'a pas envoyé ici. À présent, va-t'en. C'est d'accord. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu lui fais du mal, alors tu vas devoir me rendre des comptes. Je m'en vais. Je t'aurais prévenu. Tu sais que tu es ma meilleure amie. Oui. En fait, la seule amie que j'ai jamais eue. Et tu sais que je ne peux rien te cacher, n'est-ce pas? Ok. Alors, ce que je suis sur le point de te dire, sort au droit de mon cœur. Et je voudrais que tu sois à mes côtés et que tu me soutiennes. Ok. Parle, je t'écoute. Malgré tout ce qui se passe entre Hugo, ma sœur Ibéré et Omar, le moment est venu. Je crois que je suis amoureuse de lui. Et je veux Hugo juste pour moi. Ada, je ne savais pas que tu étais aussi stupide. Ta sœur et Hugo sont dans une relation depuis. Et ils ont des sérieux problèmes à cause d'Omar. Et voilà que tu veux aussi t'ajouter à ce problème. Idioma, pourquoi tu réponds comme ça, hein? Je refuse de faire partie de ça. Calme-toi. Écoute-moi. Il s'agit de moi, Adao. Hein? Je sais que ce que je demande est trop, mais je suis ton amie. N'oublie pas ces temps où je me suis battue pour toi. J'ai fait tellement de choses pour toi. Maintenant, c'est mon tour. Idje. Idioma. Ok. Je vais te soutenir. Je vais te soutenir juste parce qu'il s'agit de toi. Merci. Pour qui d'autre ferais-tu ça? C'est moi, la seule Ada que tu as dans ta vie. Je fais ça parce que je t'aime, mais je n'aime pas vraiment cette idée. Je sais. Alors, qu'est-ce que je fais à présent? Ok. Ne t'inquiète pas. Le moment venu, je vais te dire. Ada! Oui. Tu as mangé? Tu veux m'acheter? Que les dieux te protègent. Qui veut maman, te tuer? Maman, quelqu'un m'a attaqué quand j'étais au champ. Il essaie de me tuer. Qui peut vouloir te tuer? Pourquoi? Hein? Qui poursuit ma fille? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces histoires? Maman, qui sont ces gens? Maman, je n'ai reconnu aucun d'entre eux. Tu n'as pas été capable de voir leur visage? Non, maman, mais je sais qui est derrière tout ça. Les seules personnes avec lesquelles j'ai des problèmes dans ce village, ce sont les filles de Koli. Tout ça à cause d'Hugo. Attends, pardon. À cause de Hugo, les filles de Koli veulent maintenant te tuer? Oui, c'est maman. Ce que tu dis? Oui, maman. C'est ce que nous allons voir.
Que les dieux de nos ancêtres les frappent en retour. Allons à l'intérieur, donne-moi la matière. Pourquoi ne laissez-vous pas ma fille travailler? Hein? Êtes-vous malade? Vous voulez tuer ma fille à cause de Hugo? N'importe quoi. Les gens qui veulent te tuer, les esprits vont les attaquer. Oui, maman. Oui, sois maman. En paix. Maman, je suis mère. Maman, que fais-tu ici? Maman, bonsoir. Garde tes salutations et réponds à ma question. Je te le demande encore. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je suis venue te supplier de dire à ta fille de laisser mon homme tranquille. S'il te plaît, dis-lui de laisser Hugo tranquille. Donc c'est pour cette raison que tu as envoyé quelqu'un tuer ma fille au champ aujourd'hui. Dévergondé. De quoi est-ce que vous parlez? Comment pourrais-tu savoir? Espèce de sorcière, comment le saurais-tu? Sorcière! Donc tu as eu le courage d'envoyer quelqu'un aujourd'hui pour me tuer au champ? Mais devine quoi? Ton plan a complètement échoué. Parce que je suis en vie. Je suis toujours en vie. Maman, le plus drôle dans l'histoire, c'est que cette sorcière, cette apprentie sorcière, a le courage de venir ici pour vérifier si je suis toujours en vie. Regarde-moi, je suis en vie. Donc, après avoir essayé de me voler mon âme, tu inventes maintenant des histoires. Je n'ai envoyé personne pour te tuer. Je suis venue ici te prévenir de rester loin de mon Hugo. Nos jeunes filles sont vraiment perdues. Vous, les jeunes filles de ce village, vous n'avez plus du tout honte. Plus de honte. Les hommes sont supposés combattre pour vous. Mais maintenant, c'est vous qui combattez pour les hommes. Si c'est pas toi qui as envoyé quelqu'un tuer ma fille au champ, alors qui l'a fait? Toi, petite sorcière, qui l'a fait? Réponds, sorcière. Vas-tu sortir de ma concession, espèce de sorcière? Tu n'as aucune dignité. Tu n'as pas entendu ma mère? Je ne sais même pas de quoi est-ce que vous parlez. J'ai dit Déon. Qu'est-ce que je gagnerais en le faisant? Va-t'en d'ici. Je suis juste venu ici. Tu es sourde? Déon, va-t'en. C'est l'homme qui doit être prévenu. Va-t'en. Reste loin de mon homme. Sinon, tu cherches un problème et les dégâts. Viens, 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 ma fille. Dégage. Je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. Dégage. Laisse-la s'en aller. C'est ce qu'on voudra. Elle ne mérite pas ton souffle. Idiote. Peux-tu imaginer, maman? Imagine. Des sorcières. C'est une sorcière. Une famille de sorcières. Elle a le culot de venir ici pour me mettre en garde. Ada! Ada, où es-tu? Ada! Tu es malade? As-tu perdu tout sens de respect? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme si tu me l'avais donné? Ada, je t'ai demandé de m'aider à attirer l'attention de mon homme et non de planifier la mort de quelqu'un pour moi, Ada. Pourquoi prends-tu cette histoire de manière personnelle? Pourquoi? C'est pour ça que tu cries? Calme-toi, petite sœur. J'essaye de te faire une faveur. Je veux enlever tous les obstacles sur ton chemin, par tous les moyens. Tous les obstacles, y compris tuer Ada? Ada, pourquoi? Ada, pourquoi es-tu ainsi? Pourquoi? Donc, tu veux connaître la vérité. Vu que tu ne peux pas te battre pour ton amour, j'ai décidé de me battre pour ça et le revendiquer. Oui, Oma a l'air d'une fille très entêtée, mais ne t'inquiète pas. Je vais m'en charger très bientôt. Ensuite, je vais épouser Hugo. Oui, tu ne peux pas t'occuper de lui. Et quand je vais l'épouser, petite sœur, il sera ton beau-frère. Ada, tu blagues, n'est-ce pas? Quelque chose ne va pas chez toi? J'ai l'air de blaguer. Je ne vais pas te laisser la voir. Pas tant que je suis en vie. Vient-elle de me menacer? Éberré! Tu es folle! Tu oses me menacer? Attends, tu vas voir. Écoute-moi très bien. Bien, parce que j'essaie juste de te venir en aide. Tu sais que tu es la sœur de mon ami et je me soucie de toi. Laisse Ada épouser Hugo. Ada est très sélective lorsqu'il s'agit de choisir un prétendant. Laisse-la épouser Hugo, maintenant qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qu'elle aime vraiment. J'en reviens pas qu'aussi grande que tu sois aussi stupide. T'es aussi stupide que la personne qui t'a envoyé. Tu peux m'insulter comme ça te chante.
La vérité est la même. Trouve-toi un autre prétendant. Tu es une très belle fille. Tu peux te trouver un prétendant très facilement. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu laisses Hugo. Foudez. Faire quoi? Maman, je ne peux maman, pas. Je peux plus Arrête voir. De plaisanter. Maman, viens, ne dis pas ça. Viens. Maman, attends, maman, le sable est. Maman, je ne peux plus voir. Quelque chose est entré dans attends, mes yeux. Attends, laisse-moi voir. Où es-tu? Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Je ne peux pas te voir, maman. Viens ici. Je ne peux pas te voir, maman. Attends, je regarde maman, à l'intérieur. Je ne peux pas te voir. Maman, je ne peux pas te voir. Mais maman. Pas la permission de le faire. Leur destin est entremêlé et a été altéré à cause de ce que Shiva a fait. Je suis désolée, déesse Wada. J'essayais juste de mettre fin à ses souffrances. Ce n'était pas juste de l'avoir subi toutes ces douleurs alors que nous avions le pouvoir de l'aider. Tu n'es pas censé faire cela. Tu es juste une messagère et c'est ainsi que ça doit rester. Pourquoi avoir ce pouvoir s'ils ne peuvent pas être utilisés? Serais-tu en train de questionner le nom de déesse Wada? Déesse Wada, que peut-on faire à présent? Rien. Nous allons attendre et intervenir au bon moment. Qu'est-ce qu'il y a? Ada, tu ne ressens plus quoi? Comment? Tu es sérieuse? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 qui a fait ça à ma soeur? Oh, Ebere, lève-toi. Lève-toi, je vais t'amener à l'intérieur. Allez, debout. Comment cela est-il arrivé? J'étais en train de balayer. Ensuite, quelque chose est entré dans mes yeux. Hugo, maintenant je suis aveugle. Je suis aveugle, maman. Maman, je suis aveugle. Maman, je me mets en combat perdu d'avance. Maman. Maman, pardon, dis à Ebere de prendre Hugo et de me remettre mes yeux. Maman, Ebere, je te laisse. Maman, arrête. Ne dis pas ça. Je n'ai pas posé mes yeux sur Ebere depuis ce matin. Mais si c'est elle qui est derrière tout ça, je vais me charger d'elle. Non, pardon. Non, pardon. S'il te plaît. Laisse-nous tranquilles.
Laisse-nous. Les dieux de nos ancêtres. Les dieux de nos ancêtres combattront pour nous. Ils combattront. Maman. Maman. Ça va. Maman. Je suis maintenant aveugle. Non. Je suis maintenant aveugle, maman. Je suis aveugle, maman. Maman, je ne peux pas te voir. Maman, ça va aller. Où qu'on va? Ma chère Béré. Dieu de nos ancêtres. Je me rends les yeux. Que lui est-il arrivé? Ogo, bienvenue. Elle a subitement commencé à ne plus ressentir ses pieds. Ça a commencé ce matin. Mon père a envoyé chercher le guérisseur. Et quand il est arrivé, il a piqué ce remède sur son pied. Quelque chose ne tourne pas rond quelque part. Oma est devenue aveugle ce matin. Quoi? Et exactement le même jour, Iberia est devenu handicapé. Que se passe-t-il? Je pense que quelqu'un en a après elle à cause de moi. Ogo! 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 Ogo, attends. Ogo, prends-le calmement, ok? Calme-toi. N'oublie pas que Ebere est ma sœur. Je m'inquiète aussi. Ada, tu ne comprends pas. Écoute, je crois vraiment que tout ceci arrive à cause de moi. Non, je ne pense pas. Je te comprends parfaitement. Tu es excessif parce que les deux personnes que tu aimes sont malades. Je comprends. Mais je peux être ton ami. Oui. En fait, je peux être les deux. Calme-toi juste, ok? Ada, oublie ça. Tu ne peux pas être Omani et Berry. Tu es entièrement quelqu'un de différent. Je veux dire, je peux être les deux. Ogo, je peux être ton ami. Ada, je suis ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu caches? Idioma, ne t'inquiète pas. Aucune autre fille ne va prendre ta place dans ma vie. Je te dirai le moment venu. Ok, d'accord, tu me renvoies toujours à plus tard. Calme-toi, allons-y, je vais te dire. Thank you.
Papa, aide-moi. N'ayez pas peur. Nous sommes ici pour vous aider. Qui êtes-vous? Nous sommes des esprits gardiens. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Faut dire la vérité. Quelle vérité? La vérité sur le fait qu'Adèle est responsable de ce qui arrive à votre autre fille. Dites-lui des défaits ce qu'elle a fait. Sinon, elle mourra d'un horrible souffle. Et la terre jetera son corps. Les vautours vont dévorer ce reste. Surtout qu'elle a commis le deuxième meurtre. Un deuxième meurtre? Tu attends. Dès qu'il sera là, tu sauras quoi faire. Attendons qu'il soit là. Oui? Le travail, c'est fait. Vraiment? Oui. Viens me donner les détails. Oh, mais ça. Comment ça s'est passé? C'est très bien passé. Elle était en train de travailler. J'ai ramassé un bâton et je l'ai frappé. Il est tombé. Elle est morte. Elle était concentrée à travailler. Elle a juste ressenti un coup sur la tête. On y va. Ah, allons-y, allons-y. Ada, je t'en supplie. Par pitié. Père, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne lui ai rien fait. Est-ce que tu peux me dire ce que tu gagnes en mettant ta petite sœur dans cet état? Hein? Hein? Père, je... Formule ton vœu dans ceci, et ça se réalisera. Rappelle-toi, ne le dis pas à haute voix. Oui, je promets, je ne le ferai pas. Merci. Mais, et si je veux le défaire? Tu refais la même chose. La même chose? Ok. Je demande ça parce que... Une fois qu'Hugo et moi serons mariés et nous aurons des enfants, alors il se fera trop tard pour que quelqu'un se mette entre nous. C'est ça l'idée. Oui. Rappelle-toi, ne m'invoque pas. Les jours de marché. C'est promis. Je ne le ferai pas. Merci. Hey! Ada, c'est de la méchanceté. Ainsi tu es allé jusqu'à invoquer la déesse des arbres juste parce que tu voulais avoir Hugo? Père, je ne l'ai pas fait seulement à ma sœur. Je l'ai aussi fait à Oma. Quoi? Ah! Oui. Maintenant, écoute-moi. Il faut que tu les libères tous les deux. Et si tu ne fais pas cela, les dieux vont te foudroyer. Et ce n'est pas tout. La terre va rejeter ton corps. Quoi? Et les vautours vont dévorer ta carcasse. Père, es-tu en train de me menacer? Ah non, ce ne sont pas des menaces. Eh bien, c'est le message des dieux. Alors le choix t'appartient. Tiens-toi bien. Le choix te revient. Oh.
Papa? 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 Ne me touche pas. J'ai entendu toutes vos conversations, papa et toi. Ada, si tu m'avais dit que tu voulais Hugo, je t'aurais laissé l'avoir. Je suis désolée. Ebere, pardonne-moi. J'ai juste été stupide et égoïste. Ma sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Et en tant que ta grande sœur, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que tu épouses Hugo. Ok? Je ne veux plus de lui. Je suis désolée. S'il te plaît, je suis désolée. Pardonne-moi. Hugo. Ebere? Oui. Quelle surprise! Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Sors d'une chaise. Nous devons parler. Quoi? Tu veux dire qu'Ada était responsable de ce qui t'est arrivé à toi, Eyoma? Oui, c'est elle. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. J'ai juste été égoïste parce que je te voulais, juste pour moi. Ma voix, pour toi? Écoute! Tu ferais mieux d'aller te faire ce que tu as fait à Omar. Sinon, tu verras de quel bois je me chauffe. Je te promets de le défaire. Après, tu as épousé ma sœur Ebere. Tu veux que j'épouse ta sœur pendant que tu ensorcelais ma meilleure amie? Écoutez, Hugo, je ne vais jamais épouser une fille de cette famille. Votre famille. Je te donne juste cette journée. Cette journée. Sinon, le roi n'entendra parler. Hugo, s'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît. Toutes les dames, vous en êtes chez moi. Je te donne cette journée. Qui est là? Qui? Oma. Hein? C'est moi. Hugo, tu es là? Hugo. Oma. Hugo, tu es là? Hugo, maman. Maman? Hugo, ma mère, oh! Hugo. Qu'est-il arrivé à maman? Maman est partie pour le son depuis ce matin et elle n'est pas revenue, Hugo. Oma, ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher maman. Mais j'aimerais que tu m'écoutes tout d'abord. J'ai quelque chose à te dire. Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas grave, j'espère. Oma, je t'aime de tout mon cœur. Même si tu es une aveugle, je vais toujours t'épouser là maintenant. Je veux que tu sois celle par qui mes enfants naîtront. Je veux vieillir à tes côtés. Hugo. Hugo, comment est-ce que tu peux épouser une aveugle, Hugo? Comment est-ce que tu peux épouser une aveugle, Hugo? Hugo, je suis aveugle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour toi? Hugo, comment est-ce que tu peux épouser une aveugle, Hugo? Non, je ne peux pas. Je te pardonne. Épousez Mary. Épousez Mary. Je te pardonne du plus profond de mon cœur, Hugo. Oh, my God. Il ne s'agit pas de Mary. Je t'aime. Est-ce que je ressens pour toi est sincère? Je veux vieillir à tes côtés, crois-moi. Ok. Si tu m'as pardonné,
Je veux que tu acceptes ma demande. Écoute, c'est le seul moyen pour que je sois sûr. D'accord. Hugo, c'est bon. Je vais t'épouser, Hugo. Je vais t'épouser. Si c'est ce que tu veux, Hugo. Je vais t'épouser, Hugo. Tu vas m'épouser? Je vais t'épouser. Oui, je vais t'épouser. Ah. Hugo. Hugo. Hugo, merci. Merci. Merci, Hugo. Merci, merci. Hugo. Merci. 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 Merci, Hugo. Ada, je ne peux plus voir. C'est noir partout. Je ne peux plus voir. Non. Je ne vois plus rien. Merci, Hugo. Merci. Je t'aime. Merci, Hugo. Merci. Je ne peux plus voir. Comment ça? Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Eberé, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus voir. Eberé, qu'est-ce qui m'arrive? Eberé, je ne peux plus voir. Je ne peux plus voir. Je ne vois plus rien, Eberé. Ada. Hugo. Ada, je peux voir. Eberé, je ne peux voir. Hugo, je peux voir. Eberé, je ne vois plus rien. Hugo, je peux voir. Hugo, je peux voir. Je peux voir. Me voir. Hugo, je peux te voir. Je peux me voir. Hugo, je peux te voir. Je ne vois plus rien. Viens dans ton centre. Hugo, je peux voir. Hugo, je peux voir. Hugo, je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Oma, viens là. Oma. Oma. Hugo, je peux voir. Oma, je peux voir. Me voir. Je peux voir. Hugo, je ne vois plus rien. Oma. Viens dans ton centre. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Oma. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Je n'ai rien fait. Je ne vois plus rien. 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 Eberé, je ne vois plus. Eberé, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Ada, calme-toi. Je ne vois plus rien, Eberé. Je n'arrive plus à voir. Notre mission a été accomplie. Le destin a été réglé. Eberé, l'amour a manifesté.